Salut Krishna, chers amis. Bien, aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose qui est dans le livre de Krishna qui parle des asuras. Un asura, c'est un être démoniaque. Ok, bien, enfin, ici, je vais vous lire ici. C'est au un des derniers chapitres qui est la libération de Shiva. Ok, il prépare de dire ici, parfois, ces asuras, comme je dis les êtres démoniaques, vêtus comme des hommes de science matérialiste, découvrent des armes meurtrières. Incapables de montrer leur génie en découvrant quelques inventions qui puissent sauver l'homme de la mort, ils se surpassent dès qu'il s'agit d'inventer des armes qui accélèrent le processus de la mort. Ok, aussi dans paragraphe suivant, il est dit, bien qu'il ne... Non, bougez pas. Les asuras sont des duskritinas, des mécréants, car bien qu'ils possèdent de l'aptitude et de l'intelligence, ils utilisent ces facultés à des fins abominables. C'est ainsi que les assureurs matérialistes découvrent des armes meurtrières. La recherche scientifique menant à une telle découverte requiert certes d'excellents cerveaux, mais ces mêmes cerveaux inventent un processus qui accélère la mort, à laquelle sont pourtant destinés tous les hommes, au lieu d'inventer ce qui pourrait s'avérer bénéfique à la société. En fait, c'est ça. En fait, ces matérialistes-là, ces êtres démoniaques-là, inventent des armes meurtrières. On sait des armes nucléaires, toutes ces grosses bombes-là qui sont en train de sauter dessus, qui sont pointées sur toutes les grandes villes du monde présentement. Je prépare de dire que tôt ou tard, ils vont utiliser ces armes. C'est certain. On entend parler de plus en plus, lorsqu'on lit les nouvelles sur Internet, on entend parler de plus en plus d'une troisième guerre mondiale, et c'est très possible. Hein? Okay. Ça fait que le prophète avait dit que la troisième guerre mondiale allait commencer avec l'Inde et le Pakistan. On voit, c'est très, très, très tendu entre ces deux pays-là. Okay? Ça fait que, au lieu d'inventer quelque chose qui pourrait aider la société, mais ils inventent des armes qui vont tuer les êtres. En fait, tout le monde va mourir d'une façon ou d'une autre, mais eux sont préoccupés par ce désir de tuer, de mettre à mort une grande partie du peuple. En fait, ce sont des êtres démoniaques. Si vous lisez le Bhagavad Gita au chapitre 16, il y a vraiment de bonnes descriptions de ces êtres démoniaques-là. OK? Hare Krishna, et je vais vous montrer quelques images sur les armes nucléaires qui sont pointées présentement sur les villes, toutes les grandes villes, comme je disais tout à l'heure, du monde. OK? Hare Krishna, et à la prochaine capsule philosophique. Hare Krishna.